الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 29 من شهر صفر لعام 41,400 للهجرة الموافقة 27 من شهر أكتوبر لعام 19,2000. نستأنف درسنا في تفسير كلام الله عز وجل، ونستأنف كذلك حيث توقفنا مع الآية الأولى من سورة الفيل، وكنا قد ذكرنا شيئا من قصة الفيل باللسان العربي، وأخذنا نترجم، لكن أدركنا الوقت فاضطررنا إلى أن نقف، فسنعيد حيث توقفنا البارحة بإذن الله تبارك وتعالى. Mes frères, nous nous réunissons comme chaque dimanche soir afin de reprendre là où nous nous sommes arrêtés la veille dans notre exégèse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons pu commencer, grâce à Allah azza wa jalla, hier l'exégèse du chapitre coranique intitulé Al-Fil, l'éléphant. Nous avons donc traité plus ou moins le premier verset, et nous avons évoqué brièvement le début de l'histoire de l'éléphant. Oui, le début de l'histoire de l'éléphant, et nous avons dû faire cela en arabe, et on avait commencé à parler un peu en français là, à la fin du cours, mais faute de temps, nous avons dû nous arrêter, et nous allons donc reprendre directement là où nous nous sommes arrêtés. Mais avant de reprendre, juste évoquer quelques éléments intéressants, ce qu'on appelle en arabe des fawaid. إذن قلنا أن عنوان هذه السورة سورة الفيل. الفيل l'éléphant. والفيل دابة عظيمة معروفة. كما وصفها مسيلمة الكذاب. لها خرطوم قصير. لها ذيل قصير وخرطوم طويل. L'éléphant est un animal assez imposant. En français, on dit un pachyderme. J'aurais bien voulu demander à l'un d'entre vous de me l'épeler ce mot-là, ça aurait été rigolo. Et donc, c'est un animal qui est connu pour avoir une longue trompe. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, il nous raconte une histoire assez spéciale de la naissance du cochon. C'est quoi le rapport entre la naissance du cochon et l'éléphant ? Eh bien, à la hasabi hadhihi al-qissa, Abu al-Khinzir, huwa al-fil. Hatta a'tabarahu ba'd ahli al-'ilm min jumlati al-khanazir, yani al-fil. Il y a même certains savants qui ont dit que l'éléphant rentrait dans la famille des porcs. Il y a le porc, il y a le cochon, il y a le sanglier, il y a le phacochère. Comment on appelle le petit du sanglier ? Sainte, mashallah, le marcassin. Hein, vous ne savez pas celle-là, heureusement il y a le marcassin. Donc, et certains ont rentré dans la famille du porc, l'éléphant. Quand on regarde, on compare tous ces animaux-là, le porc, le cochon, le sanglier, le phacochère, ils se ressemblent. Alèche, alors pourquoi l'éléphant ne ressemble pas, hein? Donc je vous disais, quand Allah Ta'ala il a redonné à Nuh alayhi salam un ibni al-fulk, de bâtir l'arche, ou an yahmila fihi min kullin zawjayn ithnay, et d'y faire monter de chaque sorte d'animaux un couple, fa jarati as-safinatu ala al-bahr. Donc après, vous connaissez l'histoire, il a plu, l'eau est sortie de la terre, et l'arche de Noé a vogué sur les flots. وهذه الدواب الكثيرة التي ركبت سفينة نوح رافت. Ces animaux-là mangeaient. Et quand on mange, qu'est-ce qui se passe? On va à la selle. فتراكمت أرواث الدواب داخل الفلك مما افسد علي على الركاب
ma'ishatahum. Donc ces animaux-là ont dû faire leurs besoins, et ces besoins-là se sont cumulés dans la cale de l'arche jusqu'à pourrir l'atmosphère et rendre la vie impossible à ceux qui étaient sur le bateau. فَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ نوح عليه السلام إلى أن بوك الله تبارك وتعالى إلى دي هل من سبيل إلى تطهيري وتنقية السفينة est-ce qu'il y a moyen de purifier, de nettoyer le bateau. قال له ربه اذهب إلى الفيل واسحب ذيله va à l'éléphant et tire sa queue et tire sa queue. فامتثل نوح أمر ربه عز وجل وسحب ذيل الفيل فخرج من دبره الخنزير أكرمكم الله. يا لها من قصة عجيبة. فتسلط الخنزير على أرواث الدواب فأكلها كلها فما بقي في الفلك شيء من النجاسات. Donc Nuh il a été comme son seigneur lui a dit auprès de l'éléphant, il a tiré sur sa queue et il y a un porc qui est sorti de son derrière. Et le porc, il est parti et il s'est régalé avec tous les excréments des animaux qu'on trouvait au bout de dans la cale du bateau. طيب انا طبعا انا لا احكم على هذه القصه بالصحه ولا بالضعف ولا بالوضع لكنها مذكوره في كتب اهل العلم مما يدل على عنايتهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. Cette histoire là je vous la raconte sans affirmer qu'elle est authentique ni qu'elle est fausse, mais le prophète nous a dit عليه الصلاه والسلام rapporté d'après Bani Israël sans restriction. Illa fima khalafa nusus al-kitab wa sunnah. Sauf si ce qui vient des textes israélites s'oppose à ce qu'on a dans nos textes, alors à ce moment-là, on ne le rapportera pas. Ce qui n'est pas le cas ici. Taïb, al-fil, c'est un animal. Hayawan, lam yakun ma'roufan wa la mawjoudan fi jazirat al-arab. Bel kana mawjoudan على القارة الإفريقية عند الأحباش. وقلنا أن ملك اليمن في هذا الزمان كان حبشيا اسمه أبرهة، وإن خالف الجمهور هذا الضبط فقال أبرهة بفتح الهمزة. Donc on a dit que l'éléphant n'était pas un animal qu'on trouvait dans la péninsule arabique, mais il venait de du continent africain, plus précisément d'Éthiopie, qui l'a envoyé, qui l'a fait venir au Yémen, où se trouvait le représentant du roi éthiopien qui était Abraham. Dans le Coran, nous avons plusieurs sourates qui ont comme nom des noms d'animaux. Donne-moi une. Allez, vas-y, calme-toi. Faut pas stresser. La deuxième du Coran, comment elle s'appelle ? Ne le pressez pas, ça va le stresser encore plus. Je suis allé quoi. Al-Baqar. Taïb, tu as levé la main. Donne-moi un autre nom. Comment ? Eh ben, dis-moi autre chose. Hein ? Moi, je ne connais pas de surat dans le Coran qui s'appelle surat al-Ma'az. Ah, ton père, il t'a donné une mauvaise réponse là. Il a fait Ma'az, Ma'az. T'inquiète pas. Hein? Al-An'am. Bon, comme t'es trop mignon, je peux pas te dire non. Al-An'am, yallah. Al-An'kabout, ahsant. Ah, amchi, fawda. Mchatlik, Anil. Al-Naml. Donc, on a dit Al-Baqara, Al-An'kabout, Al-Naml, ça fait trois. Al-Nahl, ça fait quatre. Vous voulez pas lever la main? غادي نزعف عليكم. النحل اش باقي؟ إلا استنى كاين شي حاجة ولا با؟ نغاني غادي البربري غادي ما كايناش النقا حبيبي. احنا نذكروا عناوين السور. الفيل احسنت. الفيل
ما فهمتوش السؤال. أنا طلبت منكم أن تسموا لي السور التي أسماؤها أسماء الحيوانات. ثمة خمس سور فقط. يا سانك سور دون القرآن كي اونكم نو دي نو دانيمو. عندك واحدة أخرى؟ لا. ثمة سورة اسمها ناقة الله؟ لا. دون القرآن on parle des sourates qui ont comme nom des noms d'animaux. Dans l'ordre. البقرة، النحل، النمل، العنكبوت، et الفيل. قال لك أحد الإنسان راح المسجد ووجد الناس يصلون فدخل معهم في الصلاة، وكان الإمام يقرأ في سورة النحل أو النمل إحداهما النمل، فأطال عليهم القراءة حتى تعب ذاك الإنسان وكاد أن يجلس. فلما انتهى الإمام من الصلاة سأل هذا الإنسان أحد الحاضرين عن اسم السورة التي قرأ بها الإمام، فقيل له هي سورة النمل، وثمة سورة في القرآن اسمها سورة الفيل، فظن أن طول السورة باعتبار اسمها، فتصور أن سورة النمل باعتبار سورة الفيل قصيرة وسورة الفيل أطول بكثير، فقال لن أصلي خلفه أبدا. Il raconte qu'il y a un homme, il est rentré à la mosquée, il a trouvé les gens en train de prier, alors il est rentré que dans la prière, et l'imam il a commencé à lire surat al-naml, la fourmi. Alors l'imam il a récité longtemps, parce qu'une surat elle est quand même assez longue, et c'était long pour lui, il en a eu marre, il a failli s'asseoir. Puis à la fin de la prière, il demande à quelqu'un côté de lui, il dit quelle surat il a lu l'imam là? Et la surat de la fourmi. Il a dit quoi? Ça c'est la surat de la fourmi ça? Et comment elle est longue? Alors il a vu qu'il s'était étonné, il a dit c'est quoi? Il y a un surat dans le Coran, ça s'appelle surat al-fil. Surat de l'éléphant. Et lui, il a cru que la taille de la surat correspondait à son nom. Donc si surat al-naml, la fourmi, elle est longue comme ça, le fil, elle doit être comment? Il a dit, je ne prierai plus jamais derrière lui. Il est parti. Al-Muhim, donc le fil, si vous voulez rentrer dans... On a parlé de l'éléphant, on pourra parler de l'éléphant. Shahid, c'est que on a dit hier, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Donc on a expliqué Alam. Donc c'est un istifham taqriri, c'est une interrogation dont le but est d'obtenir une confirmation. Tara, n'as-tu pas vu la vision du cœur qui est la science et pas la vision oculaire, parce que Rasoul n'a pas vu ce qui s'est passé, sallallahu alayhi wa sallam, t'es pas encore né. Kayfa fa'ala rabbuka, comment ton Seigneur a agi? On a expliqué que al-fi'l ici, on l'a attribué à Allah azza wa jal, parce que c'est lui qui l'a ordonné, subhanahu wa ta'ala. Bi ashab al-fil, on a parlé de l'ashab, c'est-à-dire celui qui côtoie quelqu'un longtemps, ou bien celui qui est avec quelqu'un longtemps, même s'ils ne sont pas forcément amis. Comme Allah dit à Quraysh, wa ma sahibukum bi majnoun. Comme quand Allah dit à Quraysh, et votre compagnon n'est pas fou. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils l'ont, ils l'ont connu depuis longtemps. Même s'ils ne sont pas ses alliés, ils sont leurs, ils sont ashab baynahum. Al-Fil, donc on a expliqué Al-Fil, il s'appelait Mahmoud chez la plupart des Mu'arrikhoun. J'ai akthar. Et on a expliqué. N'a marre. Aïe, ah, ce sera pas un arabe, ce sera un sadiq, un ami, ou là un karine. Il y a plusieurs noms pour le déterminer. Généralement, quand tu es avec quelqu'un, entre vous, il y a de l'affection. Ce sera un sadiq. Hein? Ce sera un ami. Tu peux être avec quelqu'un sans pour forcément partager quelque chose. Comme quelqu'un, mathalan, dans la même, avec qui tu es dans la même classe. On appelle ça un karim. Karim. Amma sahib, c'est celui avec qui tu restes longtemps. C'est pour ça que les ulama disent dans ilmu al-jarhi wa al-ta'dil, kalam al-aqran yutwa wa la yurwa. Al-aqran. La parole des camarades les uns sur les autres, on la plie et on ne la rapporte pas. Mathalan, vous tous là. Il y en a sûrement entre vous qui ne se connaissent pas. Si je demande à Adam comment il s'appelle lui là, peut-être il ne saura pas. Et pourtant,
Le fait que vous ayez été ensemble dans ce cours-là, fait de vous des aqran. Fait de vous des aqran. Et les aqran, ils ont des ahkam dans le sens du hadith. Je ne vais pas vous les développer, mais on a مثلاً le hadith al-mudabbaj. Le hadith al-mudabbaj. T'as déjà entendu le hadith al-mudabbaj? C'est quand c'est un hadith rapporté entre deux aqran qui vont chez le même sheikh. Et puis on a la mas'ala de kalam al-aqran yutwa wa la yurwa. Parce que généralement, quand on a des élèves dans la même classe, il y a des rivalités qui se créent. Et généralement, les derniers de la classe, ils n'aiment pas les premiers. Par exemple, Abdelraouf, mashallah, souvent, je lui pose des questions, souvent, il répond. Peut-être qu'il y a un shaitan, il vient susurrer à l'oreille de l'un d'entre vous. Vas-y, il se prend pour qui? Pourquoi il pose toujours aux questions? Il m'énerve. Après, tu ne l'aimes pas. Et ça, les ulama disent, c'est la pire. Le pire des défauts qu'on trouve chez les étudiants, chez les savants, c'est le hasad. C'est l'une des choses dont ils ont le plus de mal à se débarrasser. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme ils n'arrivent pas à monter vers lui avec son niveau, alors ils veulent faire descendre. Alors ils le jalousent et parlent sur lui et mentent sur lui. Pourquoi? لما عجز أن يتفوق عليه بعلمه وحفظه حاول جاهدا أن إسقاطه. Quand il a été incapable de le rattraper avec ses propres capacités et sa science, alors il va tout faire pour le faire tomber. وما أشبه اليوم بالبارحة. على كل حال هذا هو مقصود الأقرى. Donc on revient fil بأصحاب الفيل. Donc c'est ce fil là. طيب, on a dit qu'il n'y avait pas d'éléphant dans la péninsule arabique. Nakanouche. Soit il était fait le Hind, Asia, ou là on en trouvait aussi en Afrique. Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé au Yémen? Donc au Yémen, il y avait Obraha. Obraha, on a dit que c'était un nom éthiopien qui signifiait quoi? Wahadiat Kor. Ahsant, barakallahu fik wallahi. Kitu ajma'u. علي ثيابي واترككم شويه شويه واش البارحه صح اصحابي مالكم انتم ستي المهم ذو الوجه الابيض celui qui a le visage blanc on l'appelait aussi الاشرم ينادوا زوجي الاشرم ماشي معنى الاشرم يعني المضروب وجهه وانفه اللي تفرابي او فيزاج او ني علاش باسكو كان النجاشي il a envoyé un roi au Yémen, c'était pas Obraha. Un autre qui s'appelait Ariat. Ariat. Et Al-Najashi, il a essayé de renverser Ariat pour être le roi au Yémen. Alors, Fadarat, Bainahuma Hurub, il y a eu des guerres entre eux. Puis Ariat, il a proposé à Obraha de laisser les armées de côté, on va régler ça entre nous. Mano à mano. Dans l'octogone. Hein? Un combat, il n'y a que deux personnes, les deux rois. Si seulement les gens ils faisaient ça, ce serait bien. Parce que quand il y a des conflits internationaux, ça part des têtes. Puis après, ils envoient leurs armées, il y a des millions de morts, et eux, ils sont en train de manger des chips, ils sont en train de regarder ça à la télé. Si les présidents et les rois ils réglaient leurs problèmes sur des rings avec des gants de boxe, ce serait simple. Oui. Et voilà, donc ils ont décidé de combattre. Et Ariat n'était plus fort et plus grand que Obraha. Alors, فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ فِي وَجْهِهِ فَضَرَبَ أَنْفَهُ وَجَرَحَ وَجْهَهُ. Il a frappé au visage, il lui a presque coupé le nez et blessé au visage. Et Obraha, il avait un jeune garçon, un écuyer, qui s'appelait Atwada. Atwada Hada, quand il a vu son maître blessé, il l'a récupéré, il l'a emmené se faire soigner et il est passé derrière Ariat, وطعنه في ظهره فقتله. Il lui a mis un coup d'épée dans le dos, il l'a tué. Alors, تولى أبراها ملك اليمن. Il a pris le royaume du Yémen. Mais Najashi, معجبوش الحال. Parce que lui, c'est lui qui avait désigné Ariat pour être le roi du Yémen. Alors il a dit à أبراها, لا أجوزن رأسك. ولا أدفي ولا أطعن على وجهك بقدمي أو شيئا من هذا القبيل. Il lui a dit je vais te raser la tête
et je vais te marcher dessus avec mes pieds. Là où Baraha, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rasé la tête. Il a mis ses cheveux dans un sac. Il a pris de la terre du Yémen. Il a mis ça dans un sac. Puis il a envoyé plein de cadeaux. Plein de cadeaux à Najashi. Et il lui a dit, tiens, je t'envoie mes cheveux. Pas la peine de faire ce que tu as menacé de me faire. Tiens, voilà de la terre sur laquelle je me suis allongé. Marche dessus. Comme ça, tu n'auras pas juré en vain. Mais taborra biqasamika. Parce que Najashi avait juré qu'il le ferait. Il lui a dit, ولا ابنينا لك كنيسة عظيمة لا يرى مثلها قط. Et je vais construire pour toi une église énorme, grandiose qu'on n'a jamais vue auparavant. Alors, لما قرأ النجاشي كتاب أبراها رضي وحلم عنه وانتظر منه أن يمتثل أو أن يلبي بطلبه. Donc quand Najashi le Négus l'a lu, il a vu ça, ça a calmé sa colère et il a accepté la demande et la requête de Ubraha. Et il l'a laissé comme chef au Yémen. Alors, Ubraha, il a bâti cette fameuse église. Comment elle s'appelle l'église? Ahsant, barakallahu fik. Al-Qulays, bitashdid illam. Al-Qulays. Pourquoi ils l'ont appelé Al-Qulays? L'annaha kanat aliyatan jiddan. فكان الناس في حاجة إلى أن يرفعوا رؤوسهم لينظروا إلى قمتها فتسقط قلانسهم والقلانس جمع قلنسوة وهي الطاقية أو بلغتنا الشاشية. On l'appelait le Qulays en rapport avec le Qalanis. Le Qalanis, ce sont ces petits chapeaux qu'on porte, enfin qu'on porte, que très peu parmi nous portent aujourd'hui. Vous préférez mettre du gel, hein? Mais je ne sais pas comment ça se dit, hein. Donc, parce que, je vous ai dit depuis toujours, les hommes, min haya'i wa zinati rijal taghtiyatu ru'usihim, on va y arriver. Fait partie de la beauté de l'homme et de la pudeur de se couvrir la tête. Après, l'a'raf takhtalif, na'am. C'est vrai que les us et coutumes ont changé. Mais pour la plupart d'entre nous qui sommes d'Afrique, que ce soit le Maghreb ou plus bas, les gens se couvrent la tête. Donc, les gens avaient leur Qalanis, c'est le pluriel de Qalansua. D'ailleurs, vous avez remarqué dans les mosquées, il y a toujours une chachia de secours. Elle est cachée, voilà, elle est cachée pas loin du mihrab. Dans le cas où l'imam ne serait pas là, c'est-à-dire, on est tellement conscient que très peu de gens ont la tête couverte, qu'on en garde une, parce que chez les gens, « Ib l'imam et salib l'nas au rasu arian. » Parce que chez les gens, ça ne se fait pas que l'imam, il dirige la prière, la tête nue. Et vous, non? « Alestum a'immata anfusikum ?» Al-Mohim, fermons cette porte, sinon je vais m'énerver. Et donc, elle était tellement élevée, tellement grande, cette église, que quand les gens voulaient regarder le bout, Il levait la tête, et en levant la tête, leur chachia, elle tombait. Donc nous on dit chachia, mais le mot arabe c'est le qalansua. Et le jam' de qalansua c'est qalanis. Donc qulays c'est en rapport avec ce jam'-là. Donc à la base, Ubraha il a construit, il a bâti cette église-là pour faire plaisir à son roi. Ça rime avec église, effectivement. Ça arrive avec l'église aussi. Al-Muhim, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il a fait ça pour satisfaire son roi. Et la deuxième chose aussi, li yasrif al-araba an hajji baytillahi al-haram. Pour que les Arabes arrêtent de faire le pèlerinage à la Mecque et qu'ils le fassent à partir de maintenant à cette nouvelle église qu'on trouve au Yémen. Mais أبرها هذا يعلم أن العرب لا تدين بدين النصارى فما اقتصرت إرادته عن صرفهم عن البيت بل أراد بذلك أن يدخلهم في دينه. Et on sait que les Arabes n'étaient pas chrétiens, pas tous. Il y avait des tribus chrétiennes chez les Arabes comme At-Taghlibiyoun, Banu Taghlib. Mais la plupart étaient des Wasaniyoun, des polythéistes qui adoraient les statues.
Donc le but réel n'était pas seulement de les détourner de la Mecque, mais de les faire rentrer dans le christianisme. Alors, les Arabes, et surtout Quraysh, c'était Hum, Soukanou, Mecca, Wasadatouha, Quraysh, donc on parlera de Quraysh, Inch'Allah, dans la prochaine sourate. Lorsque l'information leur est parvenue, elle ne leur a pas plu. Parce qu'en plus d'être les seigneurs de la Mecque et ses habitants, c'était aussi des riches commerçants. Les pèlerins venaient à la Mecque et eux, ils commerçaient avec eux et ils gagnaient beaucoup d'argent ainsi. Donc si les Arabes ne venaient plus chez eux, leur commerce allait péricliter et donc ils allaient perdre tout leur bien. Alors, فأخذت العزة بعضهم, un d'entre eux, il a été pris de fierté, d'orgueil, il a été touché dans son orgueil, il est parti au Yémen. هل أخبرتكم بالمدينة التي كانت فيها تلك الكنيسة؟ Vous êtes dans quelle ville s'est trouvée cette ville là? Dites non, vous n'êtes pas sûr. Je ne sais pas dire. Elle était à Sanaa. Tu le savais ou là c'est moi je l'ai dit le badah? Tu le savais? Vous dites non, mais je ne sais pas avec vous. Hein? Et voilà, donc elle était à Sanaa. Et voilà, donc ce Qurashi prend son cheval et il se dirige à Sanaa, qui est la capitale du Yémen. Et voilà, il arrive là-bas de nuit et il rentre dans l'église et il fait ses besoins. Ce n'est pas la petite commission, la grosse. Et il part. Au matin, il rentre dans l'église et il trouve le crime. Et donc là, bien entendu, quand Obraha il a été informé de ce qui s'est passé, il a juré qu'il se vengerait en détruisant la Kaaba. En détruisant la Kaaba. فَجَمَعَ جَيْشًا عَرَمْرَمْ. Il a réuni une armée immense. يُقَال أَنَّ عَدَدَ الْجُنْدِيِّينَ يَبْلُغُ سِتِّينَ أَلْفًا. Ils disent que il y avait 60 000 soldats dans cette armée. وَمَعَهُمْ فِيلٌ عَظِيمٌ إِسْمُهُ مَحْمُودٌ. Et avec eux, un éléphant énorme qui répondait au nom de Mahmoud. Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, yadhkuru ba'd al-riwayat, taqulu annahu lam yakun al-fil al-wahid, aw lam yakun al-fil al-wahid fi hadha al-jaysh, bal kana ma'ahu filatun ukhra. قيل أن عددها ثمانية والله أعلم بالصواب. والظاهر حسب القرآن أنه لم يكن إلا فيل واحد. ابن كثير رحمة الله عليه il apporte des rapports des versions comme quoi il y avait d'autres éléphants avec Mahmoud. Ce n'était pas le seul éléphant. Il y en a certains qui disaient qu'ils étaient huit. Mais le caractère explicite du Coran nous indique qu'il n'y en avait qu'un seul. D'ailleurs, quand on va continuer l'histoire, on va voir que on n'entend pas parler d'autres éléphants que Mahmoud. Al-Fil Hada. 60 000. Wattajaha Nahwa Al-Jazir Al-Hijaz. Donc il a réuni son armée, il a monté son éléphant. Wa tab'an Hada Al-Fil, kama qultu lakum qabla qali, lam yujad fil Yemen. Fa lamma ukhbira An-Najashiyu بما جرى في تلك الكنيسة بعث إلى أبرهة بهذا الفيل ليستعين به على تحقيق مراده وهدم البيت. Donc, comment est-ce que cet éléphant-là s'est retrouvé au Yémen? Il n'était pas au Yémen. C'est en fait lorsque Najashi il a appris que ce qui s'était passé dans l'église avec le Bédouin, il a envoyé cet éléphant énorme au Yémen pour que Obraha s'en sert afin de détruire la Kaaba. طيب. قال الله تعالى بعد ذلك ألم يجعل كيدهم في تضليل. وهذا كما أسلفنا في الآية الأولى استفهام تقريري. والكيد بمعنى المكر والمكيدة. والتضليل بمعنى الاضمحلال والذهاب.
ومنه قوله تعالى أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، لأن ضل في القرآن تأتي على عدة معاني، منها مخالفة السبيل المستقيم ومجانبته، ومنها النسيان والغفلة، ومنها الذهاب والاضمحلال. والمقصود هنا ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل مكيدتهم ومكرهم في ذهاب واضمحلال. والأمر كذلك، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. في الله تعالى دي انسويت كيل ألم يجعل. دونك لو دوزيام فيرسي كومونس كوم لو بروميير ألم، اي اون ديرا دون ألم لا ميم شوز كون ا دي دون ألم بور لو بروميير. سيت اون انتيروغاسيون سو فورم نيجاتيف دون لو بوت اي لا كونفيرماسيون. ناتيل با fait de leur ruse, n'a-t-il pas fait disparaître leur ruse, n'a-t-il pas anéanti leur manigance et leur stratagème. Tadlil, c'est le masdar, c'est le nom d'action du verbe dalla ou adalla. Dalla et adalla, c'est pas pareil. Adalla. Et ce verbe-là dans le Coran, il a plusieurs sens. Adalal wa al-idlal wa tadlil. Alors là, c'est plutôt dallala, c'est pas adalla. Adalla, c'est idlal, et dallala, c'est tadlim. Et donc, comment est-ce qu'on peut savoir de quel sens il s'agit? Il faut revenir au sens de ce mot-là en arabe. Donc, on va trouver que dalla, et dallala, et adalla, ou dalla, soit auront tous le même sens, qui voudront dire égaré. Mais si on dit que ça veut dire égaré tout le temps, on se retrouvera face à des problèmes avec certains versets. Comme quand les fils de Yaakoub ont dit « Inna abana la fi dalalin mubin ». Notre père est dans un égarement manifeste. Là, là ici, ça fait référence à l'rafla, l'insouciance, ou bien nisyane, l'oubli. Ou bien le sens classique et connu, c'est l'égarement, ne pas suivre le droit chemin. Et ici, tadlil, c'est la disparition, l'anéantissement. Comme quand Allah dit dans sourate As-Sajda, أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Est-ce que lorsque nous aurons disparu de la terre, serons-nous alors dans une nouvelle création? Donc ici, ضَلَلْنَا, dans le sens disparaître. Et c'est ce qui est voulu ici. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. N'a-t-il pas fait que leur manigance disparaisse et ne soit pas réalisée et n'arrive pas au bout? Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran dans de nombreux versets. Allah Azza wa Jal, il nous informe que ses ennemis manigancent, rusent, cherchent des moyens. Comme quand il nous dit subhanahu wa ta'ala dans surat Saba, lorsqu'il nous parle de ce dialogue qu'il y a entre les gens de l'enfer, entre eux. Il y a alladhina astud'ifu wa alladhina astakbaru. Très souvent en enfer, ils se disputent. Ils sont tous en enfer. Il y a les faibles et il y a les forts. Même si en enfer, il n'y a que des faibles. Mais c'est par rapport à leur position qu'ils avaient ici-bas. Pas par rapport à leur position en enfer. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Donc les faibles ont dit aux forts, sans vous, nous aurions été croyants. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Et les forts ont répondu aux faibles, est-ce que c'est nous qui vous avons égaré du droit chemin après que la guidée vous soit parvenue? Au contraire, vous étiez des criminels. Alors les faibles leur répondront à nouveau, وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. Au contraire, ce sont vos manigances de jour comme de nuit, lorsque vous nous ordonniez de mécroire et de renier Allah et de lui attribuer des associés. Donc on apprend que ce makr, ce kaid, cette manigance et cette ruse, elle est continue, elle ne s'arrête pas. Et dans surat Ibrahim, Allah Ta'ala, il dit
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وفي قراءة لا تزول منه الجبال. Ils ont certes manigancé, mais leurs manigances sont auprès de nous. Et même si leurs manigances peuvent faire disparaître les montagnes. C'est des manigances énormes, terribles. Faire disparaître une montagne, quand même, ce n'est pas rien. C'est énorme. Et dans surat Al-Naml, Allah nous parle de Salih, alayhi salam. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله مهلك قراءة وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا الآية كان الله يبارك l'histoire de Saleh et de son peuple. C'est qui le peuple de Saleh ? Thamoud. Il dit que dans la ville, il y avait un groupe de neuf hommes forts et vaillants qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient aucun bien. Qalou. Ils dirent, ils se réunirent. Wa hada yufhamu min hada annahum ijtama'u fil khafa. Ils se sont réunis secrètement pour que personne n'entende ce qu'ils disent. Et ça, c'est un élément qu'on doit évoquer. C'est que le makr, quand il est fait, il ne se fait pas en public, il se fait en secret. Les gens se réunissent tout seuls et ils parlent sans que personne ne sache ce qu'il se dit, ce qu'il se dit entre eux. Donc ils ont décidé d'un makr. De la même façon que Quraysh a décidé de leur makr avant de vouloir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne quitte la Mecque. Et donc ça c'est min sifat al-makirin. Parmi les caractéristiques de ceux qui manigancent, c'est qu'ils se cachent pour le faire. Puis Allah, ils ont dit, on va tuer Saleh et sa famille, puis quand on nous demandera qui l'a tué, on jurera que ce n'est pas nous et que nous disons la vérité. Puis Allah Ta'ala, bien entendu, a fait échouer leur manigance et les a tous anéantis. Ala kulli hal, le makr des makirin, il est voué à disparaître. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, même si, dans le temps, dans l'histoire, on va voir que ils vont avoir le dessus pendant un certain temps, tôt ou tard, ils vont disparaître. D'ailleurs, comment est-ce que les chrétiens se sont retrouvés au Yémen ? Au Yémen, c'était des Arabes. Il y avait Qahtan, il y avait Sassan, il y avait Himyar, les grandes tribus du Yémen. D'ailleurs, pour les Maghrébins, sachez que la plupart d'entre vous avaient des Ossouls du Yémen. Les Arabes, les Berbères, parce qu'aujourd'hui, on a des Berbères qui disent qu'on n'est pas des Arabes. Il n'y a pas de problème. Les Berbères qui étaient au Maghreb avant les Arabes viennent du Yémen. Voilà. Maintenant, on retourne dans les livres d'histoire. Si tu ne me crois pas. Donc, comment est-ce que les chrétiens se sont retrouvés au Yémen ? Tazkurun qissata ashab al-ukhdud. Vous vous souvenez de l'histoire des gens du fossé, plutôt des fossés. Ils étaient au Yémen. Et bien entendu, vous savez ce qui s'est passé. Donc, le peuple a cru en Allah Azza wa Jal et le roi, il a fait creuser des fossés dans lesquels il a fait allumer du feu et il a brûlé tout le monde. C'était des chrétiens, ces gens-là qui se sont fait brûler, étaient des gens qui ont suivi Isa alayhi salam et ont cru en lui. Eh bien, quand le génocide de ces gens-là est arrivé à Hirakl, aux oreilles de l'empereur romain, qui était chrétien, ba'atha ila hada al-maliki jayshan faqatalahum an bakrati abai. Il a envoyé une armée là-bas et il les a exterminés. Il a exterminé ceux qui ont tué les croyants min ashab al-ukhdud. Et c'est comme ça que les chrétiens se sont installés au Yémen. C'est comme ça. Vous avez vu, subhanallah, la relation entre les choses. Donc comme celui qui a voulu se débarrasser des croyants en les faisant brûler,
Il a mkr. Il a fait. Vous connaissez le supplice de la planche? C'est ce que les pirates ils faisaient dans la mer. Quand ils voulaient tuer quelqu'un, ils lui attachaient les mains derrière le dos. Puis quelqu'un avec une épée, il le forçait à arriver au bout de la planche. Généralement, il tombait dans l'eau. Il y avait quoi dans l'eau? Des requins. Et il se faisait manger. Donc soit tu refuses d'avancer et tu te prends mon épée dans le dos, soit tu avances et tu arrives dans l'eau et tu te fais manger par les requins. Donc il a fait un supplice à peu près équivalent à cela. Et il a donc poussé les gens au bord de ces fosses dans lesquelles brûlait un feu immense. Et il leur a dit, soit tu renies ta foi et tu survis, soit tu restes sur tes convictions et tu meurs. Et tous ont choisi de rester sur leurs convictions et de mourir. Et à la fin, de qui on parle aujourd'hui et de qui on ne parle plus? On parle de Ashab al-Ukhdud et on ne parle plus de ceux qui les ont anéantis. Pareil pour Ashab al-Fil, comme on va le voir par la suite, sûrement la semaine prochaine. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Donc, on revient à l'histoire de Ubraha. Il prend la route vers l'Arabie. Lakinahu la ya'rifu at-tariq. Wa laysa lahu khirrit yurshiduhu. Il ne connaît pas le chemin pour aller à Mecca. Et il n'a pas de guide. Mais les Arabes, quand ils ont appris que جاءهم أو سيجيئهم أبرهة بجيش عرمرم لأجل هدم الكعبة طبعا تهيئوا واستعدوا مع علمهم أنه لا طاقة لهم بجيشه. Les Arabes qui ont appris que Ubraha se dirigeait vers la Mecque pour détruire la Kaaba n'ont pas accepté que ce symbole appartenant aux Arabes soit détruit. Alors il y en a un qui s'appelait Zunafar. Il a levé une armée et il a été à la rencontre de Ubraha. Il y a eu une guerre entre eux. Faghalabahum Ubraha. Donc il y a eu une guerre entre eux et Ubraha il a eu le dessus. Et il a emprisonné Zanafar. Zanafar lui dit, écoute, ne tue pas, il est possible que je te sois utile. Alors Ubraha il ne l'a pas tué. Et Zanafar lui a servi de guide. Chouya chouya taqaddamu, ils ont avancé. Et il y a une autre armée des Arabes qui viennent aussi défendre la Mecque. Wa ala ra'sihim rajul yuqalu lahu Nawfal ibn Habib al-Makhzumi ou al-Khuzai. Un autre homme qui vient avec son armée lui aussi pour défendre la Mecque. Fa darat baynahuma harbun fa ghuliba Nawfal hada. Il y a eu une guerre entre eux, mais de la même façon que le premier, ils échouèrent. Et Nawfal kadhalika, il a été capturé par Ubraha. Falamma hamma Ubraha bi qatlihi, qala lahu Nawfal mithla ma qala lahu Zunafar. Faqala la taqtulni asaka tahtajuni amma qalil. Il dit, ne me tue pas. Il est possible que tu aies besoin de moi par la suite. Lakin hada Nawfal kana rajulan dhakiyya. Il était intelligent. Au lieu de le guider jusqu'à Mecca, il l'a ramené à Taif. Il l'a ramené à Taif. En espérant, il s'est dit que les Banu Thaqif, c'est la tribu de Taif, ils se joignent à eux et puis, Inch'Allah, ils combattent Ubraha et ils le repoussent. Mais quand ils sont arrivés à Taif, ils sont sortis, Al-Thaqafiyoun, ils sont sortis. Et ils ont dit, Nahnu la nuridu kitalak. Wa laysa al-baytu indana. بيتنا بيت اللات فكانوا يعبدون اللات وإن شئت بعثنا إليك رجلا منا يقال له أبو رغال يدلك على طريق مكة فوافق أبرها وتركهم ولم يتعرض لهم بسوء. Alors quand ils sont arrivés à Taif, ils sont sortis en agitant drapeau blanc. C'est une expression, pas pour de rien. Moustaslimin, ils n'ont pas voulu faire la guerre. Et ils lui ont dit, écoute, nous on ne veut pas faire la guerre avec toi.
La Kaaba n'est pas chez nous. Eux à Taif, ils avaient un temple où ils adoraient Al-Lat. Al-Lat, c'était une de leurs divinités. Comme Allah dit, donc fara'aytumul Lat wal Uzza. Donc leur divinité s'appelait Al-Lat et ils lui avaient érigé un temple qui se trouvait à Taif. Ils ont dit, nous, on a pas le Kaaba chez nous, on a juste le temple de Al-Lat. Nous, tu nous laisses tranquille et on ne veut pas combattre contre toi. Mais si tu veux, on t'envoie un homme de chez nous qui s'appelle Abu Rigal. Et il va te montrer le chemin vers la Mecque. Il a accepté, il a dit, khalas, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour la Mecque, je suis venu pour Quraysh, je suis venu pour la Kaaba. Il a accepté. Et à cette époque-là, même si les Arabes étaient des mouchriquines, mu'adamuhum, aktharuhum, la plupart d'entre eux, kanu ashaba nakhwa wa izza wa fakhr. C'était des gens qui étaient fiers, des gens qui étaient dignes, des gens qui n'acceptaient pas la traîtrise. Et quand Abu Rigal Hada, il a accepté de faire le guide pour emmener Ubraha à Mecca, eh bien il est mort entre Mecca et Taif. Fadufina hunalika bayna Mecca wa Taif. Fakana an-nas kull 'am idha qasadu Mecca lil-Hajj yamurruna bi qabri Rigal fayarjumunah hatta qala qa'iluhum وأرجم قبره كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي. سبحان الله, أبو رغال هذا il a vendu sa son comment on pourrait dire ça son patriotisme, parce qu'à l'époque c'était ça qui les liait les uns aux autres, c'était pas un deal, c'était des Arabes. Il l'a vendu quitte à livrer la Mecque. Et il est mort entre Mecca et Taïf. Alors il fut enterré pas loin. Et les gens, tous les ans, quand ils se rendaient à la Mecque pour faire le Hajj, ils passaient à côté de la tombe de Abu Rigal et ils la lapidaient. Comment on lapide les stèles pendant le pèlerinage? C'était devenu un rite presque du pèlerinage. Lapider la tombe de Abu Rigal. Il est mort, ça lui fait rien de lapider sa tombe, il est mort, ça n'a rien changé sa vie. Mais c'était un symbole. Il a trahi les Arabes, eh bien il sera maudit par toutes les générations futures. Qu'est-ce qu'il y a comme Abu Rigal aujourd'hui? Wallah, mes frères, ne croyez pas qu'ici Allah il vous raconte une histoire qui s'est passée juste pour que vous appreniez ce qui s'est passé dans le passé. At-tarikh yu'idu nafsah. L'histoire, elle se répète. Et celui qui ne connaît pas l'histoire, il tombera dans les mêmes erreurs de ceux qui les ont précédés. Et de toute façon, on en reparlera, inshallah ta'ala, à la fin de la sourate, dans la conclusion. Al-Shahid, Abu Rigal, il est mort. Et sa tombe. Et sa tombe jusqu'à aujourd'hui, bon, apparemment, elle a été cachée. Mais les gens l'ont lapidée. Yarjumuna qabrahu kulla am, tous les ans. Yal'anuna. Ils le maudissent. Al-Muhim. Ubraha, il arrive à Mecca. Et en chemin, il passe dans un wad qu'on appelle wad Al-Mughammis. Il y a des vallées proches de la ville de la Mecque. Et il y en a une qu'on appelle Al-Mughammis. Et là-bas, il y avait des troupeaux. Fastawla ala Al-Ba'ir wal-Ghana. Tout ce qu'il a trouvé comme troupeau de dromadaires et de moutons et autres, il l'a pris. Et il a envoyé un de ses jundis à Mecca, li ya'tiya bi za'imi Quraysh, pour qu'il lui amène le chef de Quraysh. Il arrive à Mecca. Man kana za'ima Quraysh fi hadha az-zaman? Man? Abd al-Muttalib, ahsant. سمعت أبو طالب. عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن زيد ها شو لا المطلب ما كانش المطلب. المهم بارك علينا. على كل حال, عبد المطلب هذا le grand père du prophète صلى الله عليه وسلم était le chef de Quraysh.
من بني هاشم. Et il apprend que 100 de ces bêtes ont été prises par Obra. Alors, Abdul Muttalib il dit à l'émissaire, au saphir de Obra, écoute, nous, on ne peut pas combattre contre vous. قَدْ أَتَيْتُمُونَا بِجَيْشٍ لَا قِبَلَ لَنَا بِهِ وَلَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ. Vous êtes venus à nous avec une armée, 60 000 hommes. Peut-être qu'aujourd'hui, pour nous, c'est pas impressionnant, parce qu'on a appris, nous, dans l'histoire, qu'il y a eu des armées de 100 000, 200 000, plus encore. Mais à l'époque, c'était énorme, 60 000. La Mecca, c'était loin d'être autant. Alors, ils savaient très bien que ça ne servait à rien de combattre, et que s'ils si allaient combattre, ils allaient à une mort certaine. Alors, il a reconnu leur incapacité à combattre. Et il a dit au Saphir, écoute, nous, on ne va pas combattre. Par contre, moi, mes chameaux t'ont rien fait, tu me les rends. فَتَعَجَّبَ السَّفِيرُ مِنْ رَدِّ زَعِيمِهِمْ. C'est quoi ça? Moi je viens, je suis en train de te dire, je vais détruire ta ville, détruire votre symbole dans toute la péninsule arabique. Toi tu parles de tes chameaux. Il fait Itima'i fa inna maliki yuridu muqabalatak. Viens avec moi, mon roi, il veut te voir. Alors, Abdul Muttalib, il accepte, il va avec eux, avec lui. Et quand il arrive devant Ubraha, lamma ra'ahu Ubraha, ta'ajjaba minhu. Fa inna Abdul Muttalib. المطالب كان رجلا كبيرا عظيما وسيما فتفرس منه الخير وكان مستويا على عرشه فأبى أن يجلسه معه على عرشه فنزل من على عرشه وأمر أن يبسط لهم بساط فجلس عليه ودعاه إلى أن يجلس معه. Quand Ubraha il a vu Abdul Muttalib, il a été étonné de son apparence physique. Abdul Muttalib, pour la faïda tarikhia, c'est pas son vrai nom. C'est quoi le vrai nom de Abdul Muttalib? Ahsant, masha'Allah. Ma asra'a qiyama yadik wa ma ahsana jawabak. Falillahi darruk. Il s'appelait Shaiba. Taïb. Pourquoi on l'appelait Shaiba? Allah, Allah. Mais pas complètement. Il avait une mèche de cheveux blancs sur le haut de la tête. Shaiba, min al-shayb. Hein? J'allais dire, Amouhim. Il avait un peu de cheveux blancs sur l'avant de la tête. On l'appelait, et son nom c'était Shaiba. Pourquoi on l'appelait Abdul Muttalib? Parce qu'il avait un oncle. Kana ya'khuduhu ma'ahu. يردفه خلفه على فرسه. Quand il était petit, Shaiba, il accompagnait toujours un oncle à lui qui s'appelait Al-Muttalib. Et Al-Muttalib, il était derrière lui sur son cheval. Et Shaiba, toujours, il partait avec son oncle partout. Et à cause du soleil, il était bronzé, il était très mat. Et comme les gens, ils voyaient toujours Shaiba avec Al-Muttalib, ils ont cru que c'était son esclave. فسموه بعبد المطلب. المهم, donc il arrive devant Ubraha, il voit un homme grand, fort, beau, Wassim. Et il est impressionné par son apparence. Et les gens avant faisaient très attention à l'apparence les uns des autres. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des émissaires aux gens, il choisissait les plus beaux et les plus intelligents. Parmi ces rusul, il y avait Dihyatul Kalbi, radiyallahu anhu. Et Dihya, c'était un des plus beaux chez les compagnons. Il y en a même qui ont dit que c'était le plus beau des compagnons, radiyallahu anhu. Très ukhtalaf entre Jarir ibn Abdullah al-Bajali et Dihya al-Kalbi. Parce que Jarir ibn Abdullah al-Bajali, ils l'ont appelé Yusuf hadihi al-Umma. C'est très beau, au point où on l'a surnommé le Yusuf de cette communauté. Mais Dihya, il y en a qui disent que c'était le plus beau des sahaba. Alash. Parce que quand Jibril alayhi salam descendait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait une apparence
humaine, il prenait celle de Dihya al-Kalbi, parce que c'était le plus beau. Ala kulli hal, il envoyait donc les plus beaux et les plus intelligents. Minhum Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu, quand il était chez le Muqawqis, qui était chrétien, et qu'il a lu le courrier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu se moquer du prophète. Alors il a dit à Hatib, est-ce qu'il y a des guerres entre votre prophète et votre peuple? Al-bayhal bayna nabiyikum wa qawmihi hurubun. Qala na'am. Faqala liman il-ghalaba. Faqala Hatib, al-harbu sijal. Yawmun lana wa yawmun alayna. Fadahika al-muqawqis wa qal, al-nabiy yughlab. فأجابه حاطب على الفور وقال والإله يصلب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Alors المقوقس a voulu se moquer quand il a dit est-ce que votre prophète il a déjà fait la guerre avec son peuple? حاطب répond oui. Alors le مقوقس lui dit alors est-ce qu'il gagne? حاطب dit tu connais la guerre, des fois on gagne, des fois on perd. Alors il a trouvé la faille et le مقوقس lui dit un prophète qui perd. Et là, Hatib, tout de suite, il avait la fibre. Il lui a sorti directement. Et vous, un dieu qu'on crucifie? Parce qu'il y avait le crucifix derrière lui. Alors là, Hatib, Al-Muqawqis n'a pas su quoi répondre. À la kulli hal, c'est pour ça que, généralement, les zu'ama, les chefs, que ce soit les chefs de tribu ou bien le chef du pays, en plus d'être quelqu'un de puissant, c'était aussi quelqu'un qui avait une carrure et qui avait une aura qui en imposait. On appelle ça l'haïba en arabe. L'haïba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était mahib. L'haïba, c'est une peur que l'on ressent à cause du respect intense qu'on a envers la personne en question. Yurwa, on rapporte qu'un homme dakhala ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam falamma ra'ahu asabathu ri'adatun min haybatihi alayhi salatu wa sallam. On raconte que il y a un homme, il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il a vu le prophète, subhanallah, l'aura qu'il dégageait et la prestance qu'il imposait l'a troublé jusqu'à ce qu'il se mette à trembler. Alors le prophète s'est dit ijlis wahda fama ana illa rajulun kanat ummuhu ta'kulu al-qadid bi Makkah. Dis non, calme-toi. Assis-toi, je ne suis qu'un homme dont la mère mangeait du qadid à la Mecque, de la viande séchée, salée, qu'on garde longtemps parce qu'on n'a pas les moyens d'en acheter d'autres. Ala kulli hal, donc il faut que le représentant des gens, il soit beau, il soit imposant, il soit intelligent. Et là dans ta tête, tu vois des gens. Et tu te dis, il n'est pas beau, il n'est pas imposant. Il n'est pas intelligent. Hein? Et là, tu comprends beaucoup de choses. Moi, je t'ai rien dit. Wallabibu bil-isharati yafhamu. Al-muhim, c'est comme quand il te ramène quelqu'un à la télé qui croit que le nom d'un journal, c'est le nom de la famille du gars qui s'est fait tuer. Par exemple. Hein? Quoi qu'il en soit, c'est important ces choses-là. Donc quand Ubaraha il voit Abdel Muttalib, il est impressionné. Dit cet homme-là, il mérite le respect. Et Ubaraha, il a pensé à lui faire une place sur son trône et à l'asseoir à côté de lui. Mais il a eu peur que son peuple le prenne mal. Alors, il s'est dit, quelqu'un comme lui, on ne peut pas le prendre de haut. Il faut qu'on... Al-niddu li-niddi. D'égal à égal. Alors, il a demandé à ce qu'on pose un tapis. Et Ubaraha s'assit par terre sur le tapis et il a invité Abdel Muttalib à s'asseoir avec lui. Il dit, quel est ton besoin? Alors, Abdel Muttalib lui dit, ba'iri, mes chameaux. Fasakata fi aynay, Ubaraha talama sami'a hada. Ah, quand il a entendu ça, ça y est, la belle image qu'il avait de Abd al-Muttalib s'est effondré en un instant. Il dit wallahi kuntu uqaddiru laka maqamak falamma kana talabuka hadha saqatta fi aynay. Il dit quoi? Wallahi, je t'avais mis à une place importante et maintenant toi tu viens me parler de tes chameaux,
ça y est, maintenant tu vois, pour moi, tu ne vaux plus rien. Et moi, je pensais que tu allais venir me supplier pour laisser le bait tranquille, pour ne pas la détruire, pour ne pas effrayer ses habitants, pour ne pas détruire la ville. Et là, tu parles de tes chameaux. Et là, قال له مقولته الشهيرة أنا رب البعير جئت أسترجعه وللبيت رب سيحميه. Il dit, écoute, moi, je suis le propriétaire des chameaux. Je suis venu les récupérer. البيت, يعني الكعبة, a son propriétaire, il la défendra. Alors, Abraha, il voit que personne ne s'oppose à lui pour détruire la Kaaba. Il dit, khlas, rendez-lui ses chameaux. Et il ordonne à l'armée de se préparer. Falamma tajahhaz al-jaysh wa kad al-fil an yattajih nahwa Makkah جاءه نفيل الذي تكلمنا عنه في بداية القصة. Quand l'armée était prête à attaquer et que l'éléphant était sur le point de foncer, Zunafar, il est venu, le premier dont on a parlé, qui avait fait une armée pour les combattre. فأمسك بأذن الفيل وقال يا محمود ارجع راشدا من حيث أتيت فهذا بيت الله الحرام. Imagine-toi, il arrive, il lui prend l'oreille comme ça et il lui susurre « Oh Mahmoud, retourne sagement d'où tu viens, car ça c'est la maison d'Allah qui est sacrée. » Fabarak al-Ba'il. Fabarak al-Ibil. Fabarak al-Fil. On va y arriver. Fabarak al-Fil. Alors l'éléphant s'est posé et bougeait plus. Faja'alou yajurrunahu ويحاولون أن يقيموه بلا جدوى. Alors ils ont commencé à le tirer avec des cordes, à essayer de lever en même temps des coups d'épée. Il n'y a rien à faire. Ils ne voulaient plus bouger. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كاد أن يدخل مكة فاتحا وهو على ناقته قال حبسها إيش حابس الفيل حبسها حابس الفيل. Ça, ça nous renvoie à un autre épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque sur sa chamelle et que sa chamelle s'est arrêtée avant de pouvoir rentrer dans les limites du haram. Et il a dit habasaha habisul fil, l'a bloqué, l'a stoppé ma chamelle, ce qui a bloqué l'éléphant. Alors dara bi khaladi ahadihi an yuwajjihu al fila ila al yaman فقام وأخذ يهرول فحبسوه فوجهوه نحو مكة فبرك فوجهوه نحو الشرق فجعل يهرول فحبسوه وأوقفوه ووجهوه نحو مكة فبرك ثم وجهوه نحو الشام فجعل يهرول كلما وجهوه جهة اتجه إليها مهرولا لكن لما وجه إلى مكة أبى إلا البروك. Alors ils se sont dit, tiens, on va essayer quelque chose. Ils l'ont fait se lever et diriger vers le Yémen, vers le sud. Il a commencé à galoper vers le sud. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont dirigé vers la Mecque. Il s'est bloqué, il ne voulait plus bouger. Alors ils l'ont dirigé vers l'Orient. Il a commencé à galoper vers l'Est. Ils l'ont arrêté, ils l'ont dirigé vers Mecca, il s'est arrêté. Alors ils l'ont dirigé vers le Nord, vers le Sham, Sharq, Al-Gharb, pardon, l'Occident. Et il a commencé à galoper. Ils l'ont arrêté, ils l'ont dirigé vers Mecca. Il a refusé d'avancer. Habasahu habisul fil. L'heure est arrivée. Je vais juste finir sur ça. Al filu dabbatun ajma la ta'aqil. L'éléphant, c'est un animal qui n'est pas doué de raison. Quand il a su qu'il était face à la Mecque, face à la Kaaba, face à Sha'ira min Sha'air Allah, al-Zahira, à un des symboles visibles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, haba an yaqtahimaha. Il a eu peur d'avancer.
Il a craint d'être une cause de sa destruction, de lui faire du mal. Ça, c'est un animal avec la Mecque. Qu'est-ce que nous devons dire, nous, alors ? Allah a dit dans le Coran, « وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ » Quiconque a l'intention d'y faire un mal à la Mecque, juste l'intention, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Regardez aujourd'hui la Mecque. Regardez les gens qui s'y rendent. Moi, j'ai déjà vu sur place des gens qui sont en train de manger par terre. Ils partent, ils laissent par terre ce qu'ils ont mangé. Ou bien des choses. Et ça, c'est juste les gens comme vous et moi. Je ne parle même pas des responsables. Chacun a sa place, il a sa responsabilité. Et chacun devant Allah Azza wa Jalla devra répondre de ce qu'il a fait. Chacun. Hakim wa mahkoum. Tous. Regardez ce qui se passe. Et regardez et attendez-vous à ce qui va se passer. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit avant. Je vous parlerai des qaram étant la prochaine fois, Inch'Allah. Ou que ce soit dans le futur. Comme je vous parlerai de Dhuswaiqatayn aussi. Celui qui détruira la Kaaba. Toute personne qui veut du mal au symbole d'Allah Azza wa Jal, que ce soit physiquement, en essayant de le détruire, ou moralement, par le biais d'une parole, ou par le biais d'une da'wah, ou par le biais de quoi que ce soit, eh bien qu'il sache qu'il est pire qu'un vulgaire animal. Et là tu comprends quand Allah Ta'ala dit Inna sharra dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont ceux qui n'ont pas cru, car ils n'ont pas la foi. Les pires des bêtes. Inhum illa kal an'ami bal hum adal. Ils ne sont que comme des animaux, au contraire, ils sont encore plus perdus. Fala yakunanna al-filu a'lama billahi mink. Que l'éléphant ne connaisse pas Allah mieux que toi. Ne sois pas plus ignorant qu'un éléphant envers la grandeur d'Allah et l'importance de ses symboles. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et celui qui donne une importance immense au symbole d'Allah, c'est lui qui a la piété dans le cœur. Et à l'inverse, celui qui n'accorde aucune importance au symbole d'Allah, il n'a pas de piété dans le cœur. Regardez-nous par rapport au symbole d'Allah. La mosquée, le Coran, la sunna, le prophète, tout ça c'est des symboles d'Allah Azza wa Jal. Tout ça. Allah il a dit As-safa wal marwa min sha'a'irillah. As-safa wal marwa font partie des sha'a'ir, des symboles d'Allah. La Mecque, la mosquée du prophète, le masjid al-Aqsa, les musulmans. Tout ça, ça rentre dans les symboles d'Allah Azza wa Jal. Comment toi, tu te comportes avec ces symboles-là? Quelle importance tu leur donnes? Que l'éléphant ne soit pas plus intelligent que toi. Que l'éléphant ne craigne pas plus Allah que toi. Sinon, tu seras pire qu'un animal. Et alors tu comprendras qawluhu ta'ala inhum illa kal an'ami bal hum adal. Ils ne sont que comme les animaux, au contraire, ils sont pires encore. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman yu'azzimu sha'irah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an ya'mura qulubana bit-taqwa. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an la yaj'alana aswa min ad-dawabi. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والمعذرة على التأخير. On vous annonce que à partir de demain l'Isha donc sera à 19h, l'adhan sera à 19h et la prière aura lieu 5 minutes après. 19, 5 ou 10 10 minutes après à 19h10 à partir de demain jusqu'à nouvel ordre.